Bonjour, bienvenue à Siri.ca. On est à la troisième section, comment nettoyer des lames. Celle-là, là, est un petit peu pas trop catholique, OK? Je vous le dis tout de suite. Un, c'est fait par Siri.ca. Denis, à toi, patron. On vient avec notre lame gommée, OK? Je me suis fait une petite machine pour les nettoyer, c'est qui est simple. Idéalement, vous pouvez vous en faire une. Mais au niveau de la CSST, je suis pas sûr que ça passe, la coche. Suivez-moi. Je me fais ça. Impendu au mur, ici. Là, tu crachais. Fais ça de même. Là, viens voir, pose-y le kit, là. OK? C'est pas compliqué. Un grain d'or acheté chez Joe. OK? C'est très important, c'est le garde. OK? Regarde comment il est propre. Regarde comment il est propre. Avec la petite guenille, c'est pour empêcher de recevoir les cossins. C'est pas le coronavirus? Ouais, coronavirus. Puis l'ajustement est pas compliqué. Passe par l'autre bord, le clown. Pour la friction de sous ta lame, c'est pas compliqué. C'est tout simplement une vis avec le channel ici. Puis là, ben, je l'ajuste comme que je veux. Je sais comme ça, plus de friction, moins de friction. OK? Là, vu qu'elle est neuve, la main de même, elle est inclinée un petit peu. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et d'un, vous prenez votre lame, OK? T'as pas une, t'as bien OK? Tu rebaisses le cap, mais avant de la partir, là, c'est pas là, là. Va l'avoir en face. C'est bon, le café. Vu que c'est haute technologie, c'est pas une bain-jet. Un petit ajustement. Ça fait même brasse neuf, là, tu. D'un côté, tu fais la tourne de bord. Passe le deuxième côté. C'est ça que ça donne. Tout bien nettoyé à grandeur. Le clown, il prend des Kodak, là. Faut te la retourner de l'autre bord. Ouais, essentiel. Okay. Essentiel. Ça, là, c'est une machine idiot proof. Siri.ca, ISO 1964. Pas compliqué à faire. Fait que là-dessus, c'est une capsule de Siri.ca. Suivez-nous. Puis mettez vos commentaires des fois. On peut vous aider. Même des fois, vous pouvez m'aider. Il y a des affaires que je connais pas, moi, là-dedans. Là. Fait que, mon oncle, il attend pas vos suggestions. Bonne journée.